Le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas encore confirmé s'ils assisteront au couronnement du roi Charles. Le prince Harry voudrait avoir une réunion avec le prince William et le roi Charles avant de prendre une décision sur le couronnement. Le duc de Sussex a mentionné dans des interviews qu'il a diffusées pour lancer la publication de ses mémoires le 10 janvier qu'il souhaitait avoir des discussions avec ses proches avant l'événement historique. Et, selon une source, rien n'a changé depuis la dernière fois que le duc de Sussex s'est adressé à la presse. Une source a confié au Mirror, Harry a été très clair et sa position n'a pas changé, il ne viendra pas s'il sent que l'atmosphère sera aussi toxique qu'elle l'était lors du jubilé de platine et des funérailles de la reine. Il a dit qu'il voulait se réconcilier avec sa famille et si est-il le rappelle, mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Harry et Meghan, ajoute le rapport, n'ont pas encore décidé s'ils assisteront au couronnement historique du roi Charles à l'abbaye de Westminster en mai. Interviewé par Tom Bradby d'ITV avant la publication de ses mémoires Spare, Harry a déclaré lorsqu'on lui a demandé d'assister au couronnement, « Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais, vous savez, la porte est toujours ouverte. La balle est dans leur camp. Il y a beaucoup à discuter et j'espère vraiment qu'ils pourront, qu'ils sont prêts à s'asseoir et à en parler, car il s'est passé beaucoup de choses en 6 ans. Et avant cela également. Néanmoins, la famille royale s'attend pleinement à ce que le couple traverse les temps d'ici quelques semaines pour assister au couronnement. Le roi Charles veut son deuxième fils et sa belle-fille à l'événement, comme l'a révélé plus tôt ce mois-ci Express. Co.uk, car le couple figure sur la liste des personnes qui devraient recevoir une invitation. Ceux qui prévoient de faire partie de la foule de 2000 personnes à l'abbaye de Londres n'auront que quelques semaines pour fournir une réponse aux responsables organisateurs de l'événement, la date limite de réponse étant fixée à début avril. S'il y assiste, Meghan et Harry ne joueront aucun rôle pendant le couronnement, car ils ne sont plus des membres de la famille royale travaillant à plein temps. Conformément à leur statut de membre mineur du cabinet, ils doivent également occuper un poste moins pertinent que le prince et la princesse de Galles et d'autres membres de la famille royale en activité. Les responsables travailleront avec soin sur le plan des sièges afin de réduire les chances que le prince William et Harry soient vus en public ensemble pendant la cérémonie, une décision probablement censée éviter de voler la vedette aux protagonistes du couronnement, le roi Charles et la reine époux. Les événements officiels précédents peuvent fournir un plan pour le niveau d'importance que le cabinet accordera au Sussex s'il se dirige vers le couronnement. Lors des célébrations du jubilé de platine de la reine, Harry et Meghan n'ont été autorisés qu'à assister à des événements ouverts à la famille élargie et n'ont pas fait d'apparition sur le balcon car il était réservé aux principaux membres du cabinet. Au service d'action de grâce tenu en juin de l'année dernière à la cathédrale Saint-Paul, les Sussex étaient assis au deuxième rang, parmi d'autres membres de la famille royale sans travail, derrière les membres seniors du cabinet et leurs familles. La disposition des sièges était similaire lors du service funèbre d'Élisabeth II. Le duc de Sussex a rejoint d'autres membres de la famille royale dans le cortège funèbre, mais n'a pas été autorisé à porter son uniforme.